Non, je lève, je lève. Ouais. Ils vont trouver un élément avec ça. Ouais. Ok. Ok. Let's go. Are you ready? Yes! Vous êtes prêts, les garçons? Ok, c'est parti pour le show. Parce que c'est dur, I have to talk to the... To the moon. To the moon. C'est parti. Il est fou, DJ. Ça tourne. Doucement. Ok. Ok, attaque. Wouh! Regardez le papillon, les gars. Attends, je te prends en photo avec. C'est un truc de malade. Mais attends. En fait, c'est magnifique. Là, comme ça, c'est bien. Mais tu veux pas qu'il y ait. Incroyable. En vrai, le corps. Hein? Il est gros. Mmh. Ça va être d'une abeille. Et les pattes. En fait, t'enlèves juste le, les pattes. Mets-toi à côté de Luna, JJ. Mets-toi à côté de Luna. Milou. Mathéo. La gueule se rapproche. C'est bon. C'est bon, la Luna. Où tu es, Luna? C'est quoi ça? Non, là non, je suis pas d'accord.
enough, yeah. Wow, c'est super ça. Voilà, bravo. C'est pour qui? Pour ma maman. Oh, t'es trop mignon. C'est pour maman, elle a dit. Are you ready? You can just stand right there. Gonna draw his picture, okay? Let's do this. Here we go. Do do bum bum. I hope you like it. I hope he does. Bum bum. Okay, bum. Would you like to see it? Okay, this is really nice picture. Da, da, have you ever had your picture drawn before? Only at the police station. All right. Okay, here we go. I like this. This is a good picture. Bum, bum. Okay. Da-da. Papa. Ta-da! You like it? You don't like it? You don't like my picture? Okay. That's going to be a very funny angle down there, I think. Don't know what you're taking a picture of. Relax, relax, relax. Relax, relax. Yeah, just close your eyes, but relax. Yeah. Wow. Il est fou, Mathéo. Spider-Man. Don't move, don't move. À la maison, j'ai mon costume Spider-Man. C'est vrai? Wow. Wow. Mais tu ressembles à Spider-Man un petit peu. Don't move, Mathéo. Don't move, don't move. Are you ready? You just gotta ignite blue, can you jump nice and high? Who can jump the highest? Who can scream the loudest? I can't see you. Who can jump the highest? Who can scream the loudest? Let's see you jump. I can't see you jumping. Je sais pas pourquoi je joue la scène. Je sais pas chanter, je sais pas pourquoi, j'ai jamais eu le rythme. Même chanson préférée de Robbie Williams que j'écoute depuis 20 ans, je sais pas les chanter. C'est un truc que j'aurais jamais de ma vie. En tout cas, Slimane, 4ème à l'Eurovision, c'est pas mal, c'est un bon classement. Et comme je vous dis, j'adore cet artiste, j'adore l'humain qu'il est, l'artiste, ses chansons, le texte. C'est génial qu'il chante pour les JO, mais bon, il a fait l'Eurovision, c'est super. Et 4ème place pour la France, on est content. Les gars, il est 9h du matin. Il est exactement 9h. Il fait tellement chaud. Pour ceux qui ont suivi mes stories, hier j'ai couru 13 km. Il faisait, les gars, je vous jure, 34 degrés. C'était horrible. J'ai couru, j'étais au deuxième kilomètre, j'avais la gorge sèche, j'avais pas pris d'eau. J'étais parti pour un footing de 10 km. Finalement, je disais, j'en ai marre de faire que des 10 km, il faut que je pousse un peu plus. Donc je suis allé jusqu'à 13 km. En moyenne j'étais en 4,56 au kilomètre sur les 13.
Je vais faire en 1 heure, je sais plus combien là. 1h03 je crois. En vrai, c'est pas un bon chrono. Mais pour les circonstances où genre quand tu cours, t'as un air chaud, t'as pas d'air, t'as rien. Pas un courant d'air qui va te refroidir. Je suis content. Et l'objectif là, ça serait vraiment de faire un 10 km d'ici quelques mois. Genre dans 1 ou 2 mois, on va dire. Et essayer de le faire en 40 minutes. Voilà. On va revenir un peu sur les traces de l'époque, sans évidemment être aussi bon, mais bah, j'aimerais faire un petit 10 km en 40 minutes, quoi. Revenir un petit peu à au moins un niveau où j'avais un petit peu à l'époque. Je fais beaucoup de crossfit, beaucoup de gymnastique, beaucoup d'haltérophilie, cardio, je cours, je fais énormément de séances très complètes. J'essaie vraiment d'être un athlète complet, de savoir faire beaucoup de choses très différentes, notamment le crossfit, hein, c'est ce que j'aime. Et parce que voilà, l'objectif, c'est avec l'année, ça fait un an et un mois que je fais du crossfit. Et l'année prochaine, voilà, ça fera un an et demi et j'ai commencé à faire des petites compétitions pour un peu montrer ce que je vaux. J'ai un bon cœur, j'ai une bonne condition physique, je suis assez bon partout, on va dire moyennement bon partout. C'est-à-dire que je suis capable de faire à peu près quasi tout au crossfit sans être excellent, mais au moins j'ai les bases partout. Donc je pense que d'ici quelques mois, encore de l'amélioration, avec un peu plus de force, un peu plus, voilà, etc. Je vais commencer pour faire des petites compètes pour m'amuser et juste pour le kiff, quoi. Pour toutes les personnes qui me demandent par rapport à l'aérox, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est. C'est un peu un nouveau sport comme le crossfit, mais un peu plus doux, on va dire. Plus cardio, mais un peu moins violent, on va dire. Car il n'y a pas de gymnastique et d'haltérophilie, donc évidemment, c'est un peu plus tout public. Je vais aussi faire de l'aérox l'année prochaine. Une ou deux dans l'année, un ou deux, histoire de faire deux petits bons chronos. Montrer aussi que Papa Joe Boy à 34 ans est capable de cavaler encore. Et voilà, et puis ça a aussi des objectifs, parce que c'est bien de s'entraîner tous les jours, de se faire mal tous les jours, mais au final, s'il n'y a pas de compète derrière, t'as un peu l'impression de t'entraîner. Bon, après, moi, ça me fait plaisir moi-même, je le fais pour moi, tu vois, mais à un moment donné, si tu peux avoir un peu des compètes, ça fait du bien, ça donne des objectifs.